Salutations, bien le bonjour, bien le bonsoir et bienvenue. Bienvenue sur ce nouvel épisode. Hop, j'ai encore oublié de mettre le QWERTY. Ce nouvel épisode du Let's Play d'Erythrose dans la cave aux scorpions. Donc, on s'était laissé au précédent épisode. C'est le troisième épisode qu'on va passer dans ces terribles sous-sols. Et on était resté ici, terrifié, face à un grizzly et un scorpion qui faisaient équipe pour me casser les genoux. Hop. Pas se casser la porte. Hein. Donc, stratégie fuite. Non. Pas de fuite. Vous venez pas? Petit petit. Ah, voilà. L'ours, il se gère. Hein. Si c'est juste l'ours, ça se gère. Hein. En vrai. Moi, j'ai pas peur des ours. Hein. Que des scorpions. De deux. Comment ça, c'était ça le Werebeast? Attends. Non, 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 mais je me suis tapé 4 loups-garous, je crois. 4 loups-garous. Et c'est l'ours, le danger? C'est du foutage de gueule. Pardon. Donc, mon fou rire. On va quand même essayer de voir ce qui est trouvé dans cette salle pour la science. Non mais la science requiert des sacrifices, hein. Comment je passe, moi? Comment je passe? Peut t'attirer dans. Est-ce que j'ai encore des pièces vides dans lesquelles je peux l'attirer? Il y avait un scorpion, hein. Non mais c'est... Je me suis, mais... Ah bah oui, il y avait la pièce où il y avait le voleur, mais je suis parti par le mauvais côté pour... Bon. Voilà. Il va falloir gruger, hein. Pas beaucoup d'espace de marge. On n'avait pas beaucoup d'espace de marge. Hein. Je veux savoir ce qui se trouve dans cette pièce. Je me suis beaucoup trop cassé le cul pour passer là-bas, pour abandonner aussi vite et aussi près du but. Je veux savoir. Ah ouais, il y avait des gens et il y avait du loot. 24 pièces d'or. Une épée large. Mais j'ai oublié de poser le loot la dernière fois. On va prendre l'or parce que ça mange pas de pain. Ok. Ça pèse combien? 1,25, 2, 1,25, 4,5. Et juste le bouclier que je peux pas prendre. Si je me libère du lézard gris, je peux prendre le bouclier. D'accord. C'est une perte que je considérerais comme étant temps raisonnable en vrai. Ouais, je sais pas combien ça va me rapporter, mais non, mais il faut pas se poser des questions comme ça sur l'argent. Et puis de toute façon, c'était un cul-de-sac. J'ai pas vérifié s'il y avait des portes. Non, il y avait pas de porte. Je crois pas qu'il y avait des portes. Je l'ai vu au travers du mur, celui-là. On va racler le mur, mais sur la droite, parce que au moins sur la droite, il y a pas de. Saloperie. Et puis on va sortir, puisque en fait, on a fait ce qu'on était venu faire. Donc, on va passer par là. On va grimper doucement. J'aurais dû lancer mon sort. Hein. Hop. Et, bah, tout ça pour ça, j'ai envie de dire. Hein. Est-ce que j'avais bloqué un scorpion ici? Mais non! Je joue contre moi-même.
Je l'ai lancé trop tôt. Pas de ce côté, on a dit. Mais pas deux fois la même erreur. C'est pas vrai, Nico. Allez, casse-toi de ce trou de l'enfer là. En profiter pour déposer le loot. Alors, pas l'argent. Non, pas l'équiper. Oh, c'est pas vrai ça. Reprends-moi mon arme en argent là, j'en ai besoin. Toujours bien de l'avoir sur. Non, mais l'équipe pas. Oh. Le Nico galère avec les menus. Je répète, le Nico galère avec les menus. Donc, ça c'est bon. Ça on a déposé, ça on a déposé, ça on dépose. Voilà. Et on sort. Mon débarras. L'air libre. Enfin. Bon, le jeu galère un peu, mais. Mais tu vas pas crash. Voilà. Ah oui, ça éteint les torches en sortant. Hop. Donc, tant que le PC génère tout. Voilà. Bon ben. C'est fait. Plus qu'à trouver une ville où il y aurait une potentielle guilde des guerriers. Alors, c'est pas la bonne carte. Voilà. Hop. Donc. À la base, on se dirigeait vers cette zone-là pour faire notre quête. Mais il y a aussi Tigerfall qui est la ville principale où on va devoir se rendre. Et du coup, la question c'est où est Tigerfall? Puisque je pense que je peux, enfin j'espère, que je peux rendre ma quête n'importe où dans une guilde des guerriers, vu que c'est là que je l'avais trouvé. Or, Tigerfall est juste à côté, hein. On est à. Tigerfall est vers là, quoi. Nous, on est là. Donc ouais, c'est juste à côté, on a fait 80% du travail tranquillou. Et on a 872 d'or, donc ça c'est juste. On a quand même eu une quête qui s'est remplie, le mec nous a donné de l'argent. On va en profiter pour passer aux tavernes sur le chemin. Bon, on a 15 jours de marche. C'est pas très loin au final, donc normalement tout devrait bien se passer. Et puis let's go! On progresse! On fait du progrès, c'est incroyable. Putain, l'ours. L'ours garou. J'y crois pas. Hop. Alors, le temps que la map charge. Parce que là, on est sur une des plus grosses maps du jeu. Donc, ça galère. Voilà. Allez, tu peux y arriver. Voilà. Alors, nous voici à Daggerfall. Tel que dit ce panneau, écrit dans un texte parfaitement compréhensible, bien entendu. Donc, et ben on va ranger notre arme parce qu'on est en ville. Et on va demander notre chemin ou on va juste aller à la première taverne qui. Ah oui, parce que du coup, cette ville est un peu plus grande que les précédentes. Un tout petit peu. Tout petit peu. Voilà. Donc, on n'oublie pas, hein, tout ce qui est orange, ce sont les magasins, tout ce qui est vert, ce sont les tavernes, tout ce qui est bleu, ce sont les guildes et les temples. Et ça doit être le palais. Il va probablement falloir qu'on se rende au palais pour la quête principale. Mais d'abord se faire de l'argent et potentiellement dormir à une auberge. Je vais passer au premier magasin là le plus proche parce qu'il est juste à côté. Et ce sera probablement pas un truc d'intérêt. J'ai eu une note. J'aurais dû le lire à voix haute, mais en gros, en regardant dans mon sac, j'ai vu une note qui n'était pas là avant. Lettre. Morgia, princesse de Wayrest. On la lira probablement une fois qu'on aura géré nos affaires les plus pressantes quand on sera posé à la taverne. Ça me semble être un ordre d'action qui me semble le plus pertinent. Donc, à gauche. C'est un tout petit bâtiment carré, voilà. C'est un general store. Juste pour avoir le nom, on va rentrer, mais on va ressortir tout de suite parce que. Quoique. Peut-être qu'on aura un bon prix pour un cheval. Mais il va pas nous acheter 80% du matériel. Quoique, il y a 2-3 trucs qui ne sont pas des armures qu'on peut vendre. On regarde dans notre wagon, voilà, on peut vendre les armes. Donc, on va faire ça, tout simplement. Alors, tout ce qui est en. Celle-ci, c'est une arme de départ, sauf que c'est pas une arme qui a une signification particulière, vu que. Elle vient pas vraiment de notre background. Ça doit juste être une arme qui traînait, qu'on a pu mettre la main dessus. Celle-ci est inutilisable, tout le reste. Et juste le flail, j'hésite, si jamais on tombe sur des squelettes, ça peut être utile.
veut que Sun Gold et on est déjà à 1100, donc en vrai, on peut la garder. Les torches, on va pas les vendre, on va même vouloir en acheter. Et du coup, on va essayer de vendre tout ça. Alors, je vous donne un prix que j'offre uniquement à mes amis les plus proches et à ma famille. Le marché, la valeur de marché de tout ça est bien plus faible. Mais je pense que je peux vous donner 327 de gold. Ouais, c'est un tiers, hein. C'est la valeur réelle des objets versus ce qu'ils m'en offrent. On va essayer de voir un autre magasin. Hein. En attendant, on va toujours regarder ce qu'ils vendent. Un cheval pour 1000 de gold et. Non, mais il me le propose à 2200. Non, mais c'est de l'arnaque. Ah non, mais c'est. Ouais, non, on est passé sur un magasin qui... C'est la taxe Décathlon, c'est pas possible. J'ai pas d'autres magasins en tête que je pourrais prendre comme référence. Je sais pas si j'ai le droit de balancer des marques comme ça. Bon, on va le faire quand même. Mais on va espérer qu'un jour ça me retombe pas sur le dessus du pif. Enfin bref. Toujours est-il que... on va demander des informations sur un vendeur d'armure, je pense. Monsieur, alors, on va se prendre mode parler. Bonjour, monsieur. Toujours en état poli. Hop. Nous cherchons la localisation de l'armurier qui s'appelle Vintage Smith ou Daggerfall Metalwork. Allez, les mailles de Daggerfall, on prend le premier tout simplement. Foutu Redguard, tout le temps en train de mendier à nous autres du peuple commun. Qu'est-ce que t'as fait pour moi ces temps-ci? Merci monsieur. Je Très heureux d'avoir pu discuter avec vous. Donc, bonjour madame. Peut-être qu'elle est plus sympa. Bonjour, est-ce que vous sauriez où se trouve la maille de Daggerfall? Alors, elle est au nord, non. À l'est, non. Laissez-moi juste marquer sur votre carte. Ah, très bien. Mais merci madame. Du coup, vu qu'elle est très gentille, elle nous a directement marqué que c'est ici. Daggerfall Mail. Là-bas, il y a beaucoup de magasins, donc ce sera pratique d'y passer. Et puisqu'on va faire ce chemin-là, on va s'arrêter par là avant. Alors, à gauche, j'ai un tout petit peu mâché sur ma route. Voilà. Ça doit être ce bâtiment, hein? Ça ressemble à un bâtiment important, bah oui. Alors la porte, elle est où? Et c'est encore un General Store, hein. Juste pour avoir le nom, comme ça on sait. Et pour regarder le prix du cheval. Si jamais c'est peut-être que c'est un magasin qui fait des prix moins extorsionnatifs. Ça ne veut rien dire, mais je trouvais que ça marchait bien. Donc, 1800. On est toujours sur du surpris, hein. Ouais, s'il nous fait un surprix de 1800, j'ose même pas imaginer la surtaxe, enfin le bas prix qu'il va nous faire pour nos marchandises. Donc, on va continuer donc au sud, sud-tout, on va avoir un magasin tout de suite. Hop, enfin, tout de suite. Un peu de marche. Tac, 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 tac. Fait les magasins, hein. Sympa la statue. C'est dommage qu'on ait que cet angle-là. Ou très bien justement parce que sinon YouTube va m'embêter. Bonjour monsieur. Il y a beaucoup de statues dans le coin. Est-ce qu'il y a un temple juste à côté? Là il y a un. C'est peut-être un temple, hein. Est-ce que c'est concerné? J'aurais pensé aussi à aller à la guilde des guerriers, tiens, tant que j'y suis, pour valider ma quête. Je pense à vendre mes choses, mais en réalité, il faudrait aussi que je pense à valider ma mission. Voilà. C'est une taverne, ça. Ça ressemble à une taverne. Ouais, ça ressemble complètement à une taverne. Je suis trompé de bâtiment. Ah oui, je me suis trompé de bâtiment. C'était juste derrière. Ça me dit un truc ce symbole. Je crois pas qu'ils vendent des. Ah bah c'est fermé.
Bon bah la question est réglée, hein. Je pense que c'est vite répondu, quoi. Donc, on va skip ce bâtiment-là et on va aller vers bah, les mailles qu'on était allé chercher à la base. Alors, papa, 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 papa. Gauche. Voilà. Ici, ils vont vendre des armures, mais surtout, ils vont en acheter. Non, mais... Il est quelle heure? Il est 7h55. Bah oui, tout le monde dort à cette heure-là, parce que c'est des élèves tard. Donc, comment je vais me démerder? On va juste patienter devant la porte pendant 3 heures. 3 heures, ça passe encore. Attention, pas de dormir, hein. Juste patienter. Pas pareil. Donc. Bonjour! Je suis venu vous filer ma mère. Vous vendre des produits de première qualité. Alors. Oui, c'est vrai, tout est dans le wagon. L'Iron Cuirass, on ne va pas la vendre pendant le gameplay, puisque c'est un objet souvenir. Notre personnage y tient. Tout le reste, c'est déchetterie. Ouais. Tout sauf du coup notre arme principale et notre arme en argent, c'est ça. 4000 et quelques, hein. Est-ce qu'il va nous en tirer un bon prix ou est-ce qu'il va tenter de nous arnaquer? 50%, c'est pas foufou, mais c'est mieux. C'est mieux que un tiers. Donc on va craquer, hein. De toute façon, on n'est pas vraiment en grosse position pour marchander. J'ai rien d'autre à vendre potentiellement. Ok. Bon bah du coup, puisque vous m'avez rempli les poches, je vais en profiter pour me refaire un petit peu d'équipement. Alors, un sabre en fer, une dague en fer. Oh! Oh! Oh, mais c'est bon ça. Un Silver Daikatana. Donc c'est une arme à deux mains, épée longue, qui fait quand même du 3,21, donc plus que notre Claymore. Et qui est en argent, donc qui fait qu'on pourra se débarrasser de notre Silver Longsword. Et elle nous coûte 1100. C'est la moitié de nos économies, on a encore acheté un cheval. Mais en vrai, c'est hyper worth it. Ça le vaut de ouf. Regardez s'ils vendent d'autres trucs intéressants dans le doute, hein, voiture. Ça, c'est du short. Wakazashi, pareil, c'est du short. Sabre, style katana. Ouais. Ben non. Le plus intéressant, c'est ça. Ouais. Bon, bah. Tu nous fais une réduction? 600 pièces d'or, c'est gentil. C'est beaucoup. Mais donc, Daggerfall Mail, les mailles de Daggerfall se font la fierté d'avoir les plus bas prix de tout Daggerfall. Cependant, vous avez négocié avec moi jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à ce que le soleil soit bas dans le ciel, pardon. Je peux vous le vendre pour pas moins de 629 pièces d'or. Très bien. Et du coup, on va vous vendre le reste de nos armes. Puisqu'elles ne servent plus à rien. Hop, hop, hop. Parce que je vais clairement pas recommencer à me battre avec ça et ça pour juste 2 points d'armure. On vend. Et pas mal, pas mal. Pour la plupart des gens, je donnerai. Pour la plupart des gens, je donnerai moins. Mais pour vous, ce sera 328 pièces d'or. C'est moi. Meilleure offre. Très bien. Donc, maintenant qu'on s'est refait un petit peu de maille, un petit peu de boulasse, un petit peu de thunasse. Bon, on a toujours des trucs à vendre. Notamment des ingrédients ici. Y a ça qui vaut 300 pièces d'or. 5, 2, 4. 25, ouais. Et juste ça, vraiment de grande valeur qu'on pourrait tenter de vendre pour se faire de la maille. Je sais pas si c'est ultra pertinent.
Mais niveau argent à se faire, actuellement, à part récupérer notre quête, il n'y a plus grand-chose. Donc on va s'occuper de ça viteuf. Il suffit de trouver la garde des guerriers. La dernière fois, c'était un petit bâtiment comme celui-ci. Donc je vais partir du principe que c'est ça. Puisque généralement, les bâtiments sont les mêmes pour ce qui est des guildes. Genre, ils génèrent tout le temps plus ou moins le même bâtiment de ce que j'ai pu comprendre. Ce qui est compréhensible, hein, c'est les mêmes institutions. Donc, c'est quoi comme temple ça? Une colombe et un symbole de. Bon, on n'est pas quelqu'un de pieux. On se renseignera une autre fois. Je connais très mal le lore de. Ah, c'est le même bâtiment que la dernière fois, effectivement. Je connais très très mal le lore de Elder Scrolls à la base. J'ai quelques bases, mais je serais incapable de vous citer par cœur toutes les divinités et toutes les instances de lore plus ou moins pertinentes de l'univers. Mais j'ai des notions de base, on va dire. Donc, Get Quest. Comment je valide ma quête du coup? Je dois retourner à. C'est chiant. Ou elle est déjà validée? Bon. On a quelqu'un qui cherche un guerrier, un partenaire guerrier qui serait prêt à aller en bas de quelques caves, enfin, casser la gueule de quelques bandits et partager le butin. Il parle d'offrir des items enchantés pour ça. Est-ce que vous êtes prêt à prendre la tâche? Oui. Enfin, à la base, moi j'étais venu pour récupérer un. Mais oui, si vous voulez, oui. Très bien. Je vous introduis tous les deux. Attendez. Agriwir Gethart Hollers. Ah, Hollers, ça doit être un mot que j'ai pas dans mon vocabulaire, malheureusement. Donc, s'approche à la porte. Bientôt, votre client entre pour vous rencontrer. Salut, Erythros, vous dites. Mon nom est Dunival Copperwing. Un plaisir. Laissez-moi. Allez à Gris. Allons à Greenslayguard. Je sais qu'un groupe de criminels est en train de. A pris refuge là-bas. Et on aurait besoin de passer quelques temps à nettoyer tout ça. Je vous donnerai cette Magic Torque. Un objet magique, une fois que tout ceci sera fini. Enfin, sera terminé. Allons-y alors. Ok, très bien. Alors, par contre, du coup, log. Le roi des vers. La Fatal. Ah, ça spécifie à chaque fois la guilde spécifique. La guilde des guerriers de Godway Garden m'a engagé pour tuer un Warwolf. Donc, il faudra que je retourne à Godway Garden. Bon, bah, ça nous fera un truc à faire sur le chemin. Après tout, j'ai 16 jours pour y aller. Il y a le temps. Il y a le temps. C'est juste un peu de marche. Et puis, bon, une cave à aller vider. Du moment qu'il n'y a pas de scorpion. Si c'est que des bandits. Hein, si c'est que des bandits. On s'est emballé dans une quête de plus. Mais c'est pas grave. On continue. On va aller au magasin là-bas. Voir ce que c'est. On en profite. Hein, on visite la ville. Ça nous changera des grandes caves. Un autre établi d'armure. On a déjà vendu le plus gros de nos bêtises, donc c'est pas très pertinent de regarder ici, mais qui sait, on pourrait trouver des équipements utiles. Une cuirasse en chaîne. Ah, non. Pas très utile. Alors. Oh, ces bottes sont très bonnes. C'est de l'acier, donc c'est 9 d'armure. Ça peut être intéressant. Un gros bouclier, mais j'utilise une arme à deux mains, donc ça ne sert à rien. Des flèches, je n'ai pas le droit de les utiliser. On pourrait se tenter à ça. Ça coûte combien? 200? Non, c'est pas ça que je voulais prendre. Je suis con. Hop. C'est ça que je voulais prendre. 600. Non. Non, 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 non.
600, ça me semble être un peu trop cher et on doit toujours récupérer un cheval. Au moins, on a marqué le lieu, on saura que c'est un endroit qui font des armures. On va aller au centre commercial là-bas, parce que clairement, avec tous les magasins qu'il y a, c'est forcément un centre commercial. Et taverne, magasin d'armes, ça pourrait être intéressant d'y passer, mais sans plus. Alchimie, ça vend des livres. Alors, on aime bien lire, mais on préfère les livres de magie ici. Armure, General Store. Donc, on va voir s'ils ont un cheval pas cher. On va espérer qu'ils aient un cheval pas cher. Ça commence à m'embêter de marcher à pied. Alors, 1900. Ah putain, c'est plus cher que l'autre. Si je négocie, 1300. Regardez s'ils ont. On va l'acheter en même temps que des torches. Je vais voir si les prix varient au passage entre les différents trucs. Et on va l'acheter ici, je pense. Je vais juste vérifier que les prix sont les mêmes. 1968, ouais, c'est pareil. Ouais, il veut une torche, on en aura besoin. Une lanterne. Du coup, une lanterne, ça va utiliser de l'huile, c'est ça? Ça pourrait être pratique, ça m'évitera d'en acheter 15 000. Maintenant, est-ce que ça pèse lourd? C'est la vraie question. 42 gold, ça pèse 1 kg. Et une torche, c'est 0,5 kg. Ok. Quoi? 800 kg. Bah oui, c'est un cheval. Va partir sur ça. Oh, mais attends, ça coûte combien ça? Ah oui, non, mais c'est le cheval qui. Ouais. Non, on va juste reprendre une torche parce qu'on commence à en manquer, mais je vais pas commencer à aller vers les lanternes. Et on va acheter ça. Voilà, 1300 pièces d'or. Allez. Merci, monsieur. J'ai très envie de vous reprendre mon argent, mais je ne suis pas de ce bord-là de la loi. Donc, tout ceci étant fait, on n'a pas d'autres gros objectifs. Peut-être passer par la guilde des mages. Après tout, on est aussi un mage. Et passer là-bas et lire notre petite lettre. Alors, dans la mesure où on vient d'arriver, on va se poser, on va passer une nuit à l'auberge, parce que ça fait quand même une semaine qu'on crapahute dans la pampa comme des va-nu-pieds. Beaucoup de monde, beaucoup de monde, et c'est lui le tenant. Bonsoir. Une chambre. Un jour, 5 pièces d'or. Merci. Ma chambre doit être à l'étage quelque part. Ouais, on va monter tout en haut. C'est quoi? On veut être à un endroit tranquille et on va enfin lire cette fameuse lettre. Hop. On sauvegarde un coup, Vitoff. Au cas où. Si jamais il y a des embrouilles. Utiliser. Cher Erythros, mes yeux et mes oreilles à l'étranger disent que vous êtes intéressé dans le destin d'une certaine lettre. Ah ah. Tout empereur ne devrait pas être aussi imprudent, de même ne devrait l'être une reine. Vous devriez vraiment me rendre visite au château de Wayrest. J'ai quelques informations. Non, j'ai quelques détails des plus intéressants que je suis sûr que vous aurez un grand plaisir à entendre. Morgia, princesse de Wayrest. Ok. Très bien. Eh bien, on va s'y rendre. Elle avait dit où? Parce que j'ai une très mauvaise mémoire. Château de Wayrest. Très bien. Eh bien, ça va être notre prochain objectif. Après. Une bonne nuit de sommeil. Il est quelle heure en jeu? Il est 11 h, donc on va faire
12 heures de plus, on sera le soir, la nuit. Si tu rajoutes ensuite 8 heures pour se réveiller, ça fait 20 heures. En tout cas, c'est longue nuit de sommeil, un long repos. C'est une perte de temps par rapport aux quêtes, c'est pas optimisé, mais on reste consistant et cohérent. On va mettre le minimum syndical. Voilà. Ça permet de level up. On est skill plutôt sociaux, mais c'est du level up. On va ressortir. On va pas tarder à terminer cet épisode qui aura été, ma foi, plutôt calme et posé en comparaison des autres. J'hésite entre vous laisser là maintenant et du coup, enfin pouvoir utiliser un cheval. Non, ça c'est. Voilà. Enfin pouvoir se déplacer à cheval. Donc, soit. Je vous quitte maintenant. Soit on se dirige directement vers ce qu'il y a de plus proche entre Wayrest et la cave que je suis supposé explorer avec mon nouveau compagnon d'infortune. Sachant que mon but, c'est de me diriger progressivement vers Godway Garden. Donc je vais prendre le chemin qui sera le plus proche de Daggerfall, de sorte à ce que la deuxième destination soit la plus proche de Godway Garden et ensuite on fera le retour vers Daggerfall. Sachant qu'il ne me reste que 15 jours pour la quête des guerriers. N'y a pas de date limite pour la deuxième quête des guildes des guerriers. Donc en fait, je pense que. Grinsligard et Castle, je sais plus quoi. Et elle est où? J'ai une très mauvaise mémoire des noms, hein. Ça va me porter préjudice pendant toute l'aventure. Alors, trouver Prince Grinsisgard. Ah oui, non mais c'est à l'autre bout du pays. Donc non. Non, on fera ça une autre fois. De toute façon, c'est pas pressé, il n'y a pas de date. Donc, et l'autre destination, c'est quoi? Castle Wayrest. Non. Ah, le QWERTY qui me gêne. Wayrest. Mais c'est ma faute, hein. C'est ma faute, j'ai pas tapé complètement le truc. Alors, un instant. Alors, Castle. Way. Non, pas Zay. Way. J'ai juste pas compris la lettre et je suis un gland. Vous devrez vraiment me rendre visite au château Wayrest. J'ai quelques détails des plus intéressants à vous fournir. C'est où Wayrest? Est-ce que c'est une autre région? Et je suis con. Chalgola. Endpoint. Ah, c'est là! Mais c'est à l'autre bout du monde! Non, mais c'est quoi ces bêtises? Bon, on m'a dit d'aller à Daggerfall! Et là, on me dit, non, mais vas-y, va à l'autre bout de l'eau. Mais. Ok, et du coup.
Castle. Castle. Où il reste? Ah, même pas. Je suis confus. Je suis confus quant à mes objectifs. Donc je pense que je vais pas m'en occuper tout de suite. Je poserai des questions. Et pour le moment, on va retourner à Godway Garden parce que j'ai fait une bêtise, donc autant la régler. Alors, trouver Goth. Oui. Non. De toute façon, je sais où il est. Non. Ghostway Garden, voilà. Et 4 jours de trajet, 2 jours si on se déplace très vite. 3 si on campe à l'extérieur. Ok. 2 jours de trajet grâce au cheval, puisque maintenant je vais quand même vachement plus vite. Ça se fait. Moi, je trouve ça raisonnable. En s'arrêtant dans une ville au passage, on fait ça rapidement. Et on va déposer notre quête. Voilà, c'est ma faute, je me suis engagé sur un truc qui nécessitait de revenir ici, alors que c'était peut-être pas le but. C'est là-bas. Va quand même plus vite à cheval, hein. Pour là-bas. C'est la rentrée. Il est quelle heure? Il est 2h du matin. Bah oui, j'ai voyagé à rapidos, donc bon, on va prendre la... Ah, c'est embêtant. On va dormir jusqu'au matin. Pas grave. Hop. Bonjour monsieur. On va prendre une chambre pour la nuit. Allez. Hop. 5 pièces d'or. Au revoir. Hop. Oula. Je ne sais pas. Il semblerait qu'il soit bientôt l'heure d'arrêter l'enregistrement. De toute façon, ça fait bientôt 40 minutes. Je pense que... Non mais... Je dorme 8 heures. Même plutôt 9. Par rapport à l'horaire qu'il est. Voilà. Et il est midi. Un peu tôt. Enfin, un peu tard. Grasse matinée, après 2 jours de chevauchée, ça se tient. Et... Bonjour, madame. C'est disturbant. Alors, j'ai un pic de lag. Ça, c'est parce que mon PC surchauffe, ouais. Donc je sais à peu près quelle durée je dois maintenir mes épisodes pour éviter d'avoir d'avoir des pics de lag comme ça. C'est ça quand on joue sur un vieux PC, hein, c'est terrible. Pas pour rien que je joue sur des vieux jeux. Donc, Fighters Guild, on avait dit, c'était juste là. Hop. Et nous voici, si je me trompe pas, de côté pour l'entrée. Voilà. Yo, moi j'aurais voulu poser la quête ailleurs. Bien joué, tueur de loups. Prends plaisir à ton... 200 pièces d'or. Ah oui, 5% en plus. Oh, c'est terrible. C'est horrible. Je me suis vraiment pris la tête pour pas grand chose. Alors, on va déposer notre argent. Alors, est-ce que ça va le drop là? On va mettre notre argent dans notre carte pour éviter d'avoir à le transporter. Sauf que j'essaye de pas faire une bêtise en termes de manip. On va mettre 1100 pièces d'or, ça me semble. Voilà, il est dans le carte, nickel. Donc ça réduira un petit peu notre poids. J'aurais dû penser aussi dans la grotte, ça nous aurait évité des ennuis. Bon, eh bien, ceci étant fait... Je pense qu'on peut s'arrêter ici et considérer cet épisode comme étant une réussite, bien que
un petit peu complexe. Est-ce que je me serais trompé de... Non. Oh! J'ai enregistré dans le vent? Non, j'ai pas enregistré tout dans le vent quand même. J'ai tout enregistré dans le vent. Ça fait combien de temps que j'ai cet affichage? Bon. On va arrêter l'enregistrement là. Et puis, une bonne soirée et une bonne continuation à vous. À la prochaine. On verra si je me suis foiré dans l'enregistrement ou pas.